Bienvenue sur la chaîne de Congo Brazzaville Information. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je suis Lassi Bouti, le directeur général de Congo Brazzaville Information. Destinée Dukaga, la seule femme militaire très célèbre et engagée dans le gouvernement. Qui est Destinée Dukaga? Destinée Dukaga, de son nom complet Destinée Hermela Dukaga, est une écrivaine, pilote et femme politique congolaise, née le 8 octobre 1983 à Dolisi, au sud-est du Congo, dans le département du Niari. Membre du Parti Congolais du Travail, le PCT, elle est en République du Congo, ministre du Tourisme et des Loisirs et députée élue de Nyanga. Diplômée en génie mécanique de l'Université Mayengwabi de Brazzaville au Congo, Destinée Dukaga est détentrice d'un master en administration publique avec spécialité État et organisation publique de l'Université de Poitiers en France. Elle a été formée comme pilote en Belgique et à Montpellier en France. Destinée Dukaga a dans ses débuts travaillé dans l'industrie pétrolière dans plusieurs pays, entre autres au Congo, en Afrique du Sud, en France et aux Émirats Arabes Unis. Lors de la campagne électorale de 2016 en République du Congo, Destinée Dukaga a participé avec son parti politique, le Front Patriotique, pour soutenir la candidature du président Denis Sassou Nguesso. Elle est porte-parole du candidat pour les questions sociales. Après la victoire du président Denis Sassou Nguesso, elle est nommée ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, poste auquel elle s'affirmera avec ambition dans le but de restaurer les valeurs et les symboles de la République. En dépit d'un contexte économique et financier difficile, Destinée Dukaga se distingue avec la revalorisation de la levée des couleurs dans les établissements scolaires et des Journées nationales du civisme, Journée nationale de la jeunesse commémorée respectivement les 11 janvier et 28 février de chaque année en République du Congo, ainsi qu'avec le règlement des accueils collectifs des mineurs au Congo. Quelque peu avant son départ du ministère de la Jeunesse, elle réussit à faire adopter au Parlement la loi instituant le Corps des jeunes volontaires du Congo, un programme de développement du volontariat national comme stratégie d'inclusion socio-professionnelle. Loyale au président Denis Sassou Nguesso, elle contribue à l'élection de celui-ci en mars 2021 en assumant les missions de porte-parole du candidat pour les questions de jeunesse, d'emploi et d'orientation universitaire. Cette fois-ci, elle participe à la campagne présidentielle en tant que membre du bureau politique du Parti Congolais du Travail, qu'elle a adhéré après avoir dissous son propre parti. Elle est par ailleurs, pour cette élection, désignée à la tête de l'équipe de campagne du candidat Sassou Nguesso à Dolisi. À la suite de l'élection présidentielle de mars 2021, le président élu Denis Sassou Nguesso, sur proposition du nouveau Premier ministre Anatole Kolné-Makosso, nomme Destinée Dukaga le 15 mai 2021 ministre du Tourisme et des Loisirs. Détentrice d'un baccalauréat scientifique, Destinée Dukaga est une écrivaine qui a publié plusieurs livres. Merci d'avoir suivi Lassi Bouti et n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.